Salut, toi. Ils étaient trop nombreux. Ah. Nous n'avions aucune chance. Ils ont pris l'archéologue et l'ont emmené sur la colline. Oups. Je ne sais pas le sort qu'ils lui réservent, mais à mon avis, il est peu enviable. Oh, faut pas dire ça. Oh, encore eux. Vous devez le sauver. Vite, vous avez peu de temps. Ok, on a peu de temps. Donc, salut à tous. On va donc maintenant se lancer dans la quête Sauver l'archéologue. Une mission principale, enfin une quête principale, et intéressante puisqu'elle est directement en lien avec l'histoire du jeu. Donc là, en fait, tout simplement, on doit affronter un bon paquet de minions. Donc c'est donc ces créatures que j'affronte. Je vais essayer de m'en sortir puisque j'ai une épée légère qui est moyennement efficace. En fait, bon, elle est quand même assez bonne cette arme, c'est pour ça que je l'ai prise. D'ailleurs, en parlant de cette arme, j'ai donc depuis l'arène, donc la dernière vidéo que j'ai faite avant celle-là. Après l'arène, j'avais une autre armure. Là, j'ai l'armure de plate, donc l'armure la plus haute du jeu. Et l'épée que je tiens dans la main, c'est une épée que j'ai ramassée. D'ailleurs, une porte démoniaque, puisque j'ai épousé Lady Grey. Je suis le héros maléfique. J'ai épousé Lady Grey. Et quand on l'épouse, il y a une porte démoniaque qui s'ouvre. Quand on l'a épousée, et qui, en fait, nous offre cette arme. Dans un coffre. Et j'ai aussi ramassé des clés d'argent. Et j'ai bien sûr visité la carte où je me trouve actuellement, puisqu'il y a plein de petites cartes dans le nord de l'Albion où je me trouve, avec des choses à ramasser, notamment des clés d'argent. J'ai bien sûr affronté Tonnerre, puisque pour épouser Lady Grey, il faut affronter Tonnerre. Et j'ai ramassé une clé d'argent dans la petite flaque d'eau qui se trouve dans le chemin où on l'affronte. Et j'ai ouvert un coffre qui détenait une amélioration de mana. Et ça, c'est soit on la met sur une épée, soit on la vend. Pour l'instant, je l'ai pas équipé et je sais pas ce que je vais en faire. Bon, tu vas mourir, toi. Voilà. Je suis pas très bien débrouillé là. Je vais essayer de m'arranger pour la suite de la quête. Donc, on continue par ici. On doit monter en fait jusqu'au pont qui mène à la prison. L'archéologue a été fait prisonnier. Et il faut aller le sauver. L'invocateur de Mignon a érigé une barrière. Hop là. C'est un sort foudre. Donc là, tout ce qu'il y a à faire cette mission, c'est avancer au fur et à mesure et tuer tous les minions qui arrivent sur. Bon, faut changer de technique là, parce que sinon on s'en foudre. J'ai l'impression qu'il n'est pas très efficace. Voilà. Ah, je pensais pas que j'étais assez prêt pour me faire toucher par tout. Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Et, ah oui, j'ai oublié de préciser, enfin, j'ai oublié, c'est pas grave, je vais en parler maintenant. Le sort multifrappe, je l'ai niveau 3. La poussée magique niveau 3. Je crois d'ailleurs que j'ai tous mes sorts niveau 3, sauf j'ai pas eu assez pour mettre la charge de bataille, je l'ai encore niveau 2. Et la boule de feu, je l'ai encore niveau 2. Bon, ça sera bon. Il me restera à les monter niveau 3 tout à l'heure. Et le feu divine, c'est pas le bon. La colère infernale, je l'ai toujours niveau 3 aussi. Ça par contre, je vais être niveau 4 avant de battre Jack. Ça sera vachement intéressant pour affronter les minions. Parce que les minions sont vachement résistants en fait. Ces bestioles-là sont vachement résistantes. Vaut mieux avoir une bonne arme. Et j'ai obtenu... Enfin, j'ai 20 clés d'argent. Donc, je suis allé ouvrir le coffre bleu à la guide. Qui nous offre une arme lourde. C'est la masse de mur ennemi. D'ailleurs, quand je joue cette quête avec le héros bienfaisant. Le gentil héros donc. Où je sauve l'archéologue. J'ai la masse de mur ennemi. C'est une très bonne arme. C'est une rare arme lourde que j'aime bien. Elle est très efficace et en plus elle a de l'amélioration d'expérience. Donc c'est vraiment utile. Oh, tu m'as raté. Alors l'arme que j'ai, elle est légère. Elle fait 150 points de dégâts je crois. Ou 180, un truc comme ça. En tout cas elle est plus efficace que l'ancienne arme que j'avais. Et elle a deux améliorations. Ce ne sont pas de grosses améliorations mais c'est toujours sympa. Il me semble que c'est amélioration d'affûtage et de perforation qu'il y a dessus. Ou d'argent, je sais plus. Il y en a deux, et j'ai oublié exactement lesquels. Mais j'aime bien cette arme, elle a une bonne allure. Et en plus, c'est sur la couleur de l'armure, donc... Moi, ça me convient. Ouh, un troll de pierre. Un troll de pierre. Super. Ça devient coriace. En plus, le chemin est étroit, donc pas facile pour les abattre.
Et en plus, il arrive pas à le viser. Et je prends les cailloux. C'est méchant. Aïe, ça fait mal. Ah, oh, j'ai mal au cul. Ça pique. Oh, c'est pas vrai, ça. Il y a encore toute sa vie, hein. Je l'ai pas encore beaucoup touché. Ah, j'en ai quand même fait 3. Il faut continuer. Ah ouais, maintenant c'est les gardes qui me tirent dessus. Oh là là. Je te jure. En plus, ils nous ont mis des petits gardes de merde pour la quête. Franchement, on aurait pas pu avoir les gardes habillés en gris là ou en rouge. Ils sont plus résistants. Ils ont des meilleures épées. Enfin, c'est pas grave. Tu me diras, c'est peut-être parce que ça permet de nous laisser plus de chance pour abattre les ennemis nous-mêmes. C'est normal. Et sur le foudre, par contre, je vais toujours niveau 3. Ça coûte très cher pour le passer niveau 4, donc il va falloir que j'économise un petit peu. Je vais essayer d'avoir aussi niveau 4 avant de battre Jack. Ça sera vachement utile. Alors, ce qui est chiant avec les minions, c'est qu'il y en a deux différents. Il y a ceux avec les grandes épées orange. Et d'autres qui ont des petits bâtons avec qui se plient au bout là, ceux-là, que celui que je viens d'abattre d'ailleurs, que j'ai éclaté en fonçant dedans. C'est une sorte de magicien, il lance des boules. Ça, c'est un peu chiant. Il faut penser à les éviter le mieux possible. Il y en a encore un là. Oh, mauvaise direction. Voilà. Oh bah ça me fait 5 gardes. Eh, c'est pas mal hein. Je crois que j'en ai jamais eu autant. Donc maintenant on continue. Il faut aller directement en bas. Vers je sais plus comment ça s'appelle la carte là, on va le savoir tout de suite. Ah, c'est le chemin de la prison. Oh bah c'est normal, oui. La prison est juste en face sur une île. Donc là l'archéologue, il devrait être en bas. Vite, ils sont presque au bateau. Il ne reste pas beaucoup de temps. Bon, il y a tout ça à descendre. Oh là là, il faut encore marcher. Ah le voilà. L'archéologue est encore là. C'est quand même marrant ça comme créature, ça les mignons. Ça a bien pensé. Hop. Les gars à distance des gardes. Ça c'est des gardes qui ont envie juste en bas. Faut quand même m'aider hein, quand on arrive en bas, parce que en bas, quand on arrive en bas, si on tue pas les ennemis au fur et à mesure, quand vous arrivez dans le pont tout en bas, ils sont beaucoup hein. Donc les gardes ils peuvent quand même vous aider. Ils les occupent un petit peu quand même. Entre vous, vous faites les autres. Donc ça peut toujours être utile. Il y en a un qui a presque plus de vie d'ailleurs. Il a sa barre quasiment en bas là. Et il est encore debout. Hein. Allez hop, on continue parce que c'est un peu chiant. Non, tu vas pas mourir. Encore un petit effort, on a presque fini. Il faut faire attention aux petits tonneaux qui sont à côté là. Les bleus avec les têtes de mort rouges dessus. Bien sûr, il faut éviter de taper dedans. Bon là ça va, je l'ai explosé mais... J'étais protégé par un sort de magie. Oh, je tape pas mal dans le vide, hein. Oh, c'est pas grave. Ah, j'ai touché un garde. Hop, esquive. Allez, on peut continuer. Il y a beaucoup des minions en plus qui arrivent ici, hein. On se fait pas mal d'ennemis. Donc là, je suis arrivé sur le pont. L'archéologue est dans une petite bulle bleue protectrice, donc on peut utiliser tous les sorts, ça ne le tuera pas. C'est exprès, à la fois ça le retient et à la fois ça le protège. C'est très bien pensé. Donc là, il faut tuer tous les minions. On a un peu plus de 3 minutes pour le faire. Face les délais, la quête est perdue. Oh mince, j'ai rentré mon arme. Voilà. Il n'y a plus que ça à faire, donc ça va aller vite. Il n'y a plus que des magiciens d'ailleurs. C'est les plus chiants d'ailleurs. Ils sont assez efficaces et leurs boules de feu sont très pénibles. Hey, j'ai encore tous mes gardes. Pas mal hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Souvent, il y a toujours un ou deux qui meurent ici. Voir tous. Bon, on devrait bientôt avoir fini. On est tous sur lui. Il a pas une chance. Vous m'avez sauvé. Mais sans vous, je serais toujours en sûreté dans ma caverne. Oui,
oui, je sais comment entrer dans la prison de Barriette. Oui, parce qu'on doit sauver notre mère à la prison d'Arquette. C'est pour ça que mais on peut pas y aller par la porte principale. Et en fait, l'archéologue, on doit le trouver parce qu'il nous dit qu'il faut passer par le chemin de... le chemin du cimetière, si je me trompe pas. Le cimetière de Lichfield, qui sera d'ailleurs la mission principale suivante. Vous devrez vous débrouiller tout seul. Je ne vais pas traîner dans le coin, moi. Je connais quelques bonnes cachettes. Allez, vas-y, va te cacher. Je te regarde. C'est bon, je t'ai regardé. Et voilà. Sauver l'archéologue, quête terminée. Donc pas mal d'expérience, pas mal d'or. Donc c'est une quête vachement intéressante. Et de toute façon, elle est obligatoire, donc. Choisissez vos quêtes à la guilde. Vous recevez une nouvelle quête. Choisissez vos quêtes à la guilde. Merci, papy. C'est bon, je peux y aller? Ok, donc, bah, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur ce, bah, je vais vous dire, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Si vous voulez un commentaire pour me poser une ou deux questions, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui me demandent des détails sur ce jeu, parce qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à réussir. Et donc, sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à regarder la suite des aventures. À plus.